Vraiment pour YouTube. Je reviens sur ma scène de chat que je puisse vous lire. Et je lance le joujou qui est Tomb Raider. Et ça va être bien. Et je bois un coup, j'ai soif. C'est terminé les orgies pour moi. Ah Pierre. Eh ouais. Voilà, donc on est ensemble jusqu'à 20h et quelques, je pense. J'irai pas au-delà de 21h parce que il va falloir que je reprenne mon rythme de boulot pour demain. Et demain, ça va être dur. Ça va être dur. Je vous cache pas que j'ai eu un sommeil assez perturbé dans le sens que j'ai des foufous qui ont fait leur feu d'artifice privatif à je sais pas quelle heure du matin. Alors je me suis endormi après minuit parce que je savais qu'il y avait le feu d'artifice officiel et comme je suis proche des détonations, bah, ça empêche de s'endormir. Mais après je sais que j'étais réveillé deux fois durant la nuit. Il y en a qui ont dû faire leurs explosifs privés là, au beau milieu de la nuit, la folie quoi. Voilà. Qui que quoi, Pierre Troutman avec Nash. Dommage que t'arrêtes pas à 21h, ça aurait fait 11h de live. C'est peut-être ce qui va se produire, FunFan. Je vais peut-être pousser déraisonnablement jusqu'à 21h parce que je serai porté par le fait que vous soyez présents, qu'on s'amuse bien. Et puis qu'il me restera un petit peu d'énergie, mais je ferai pas la soirée. Si tu veux, je pousse symboliquement jusqu'à 21h pour faire mes 11h de direct. Puisque la symbolique du nombre 11, tu es très attaché. Enfin, tous les nombres composés du chiffre 1. Exclusivement. Oui, alors, retour aux histoires de Lara Croft. J'étais en train de réfléchir. On s'était fait hier exceptionnellement une petite séance cinéma avec les séquences version française et la voix de doubleuse de Françoise Cadol que t'adores, fun fan. Pour Lara Croft francisée, si je puis dire. Et j'avais pris conscience de là où j'en étais dans l'histoire, que les codes militaires que j'ai récupérés sur la dépouille d'un soldat, il faut que je les rapporte au survivant qui est proche du dragon serpent, là. J'ai pas l'air con avec ma torche à la main. Ah oui, je suis prisonnier ici, c'est vrai. C'est vrai, je sais pas comment sortir de là, moi. C'est mon souci dans le niveau. Ouïouïouï. Tant que j'y pense aussi, hein, évidemment, mais je me répète, mais j'aime pas mettre des vents aux gens. Dans la semaine, je prendrai le temps de d'écrire à tout à chacun, quel que soit le média utilisé, Discord, YouTube ou je sais pas quoi. Je prendrai le temps de vous répondre dans la semaine. J'ai déjà eu plaisir de faire pas mal d'écrits ce matin avant de prendre mon antenne. Vous avez été nombreux, ne serait-ce qu'à me présenter vos voeux. Et je vous en remercie tout plein. Alors, Tomb Raider, que je réfléchisse. On est bien d'accord que ça, c'est un plafond. Oui, c'est parce qu'il y a le flambeau. Là, malheureusement, la porte est fermée, elle peut rien faire. Oh, cette histoire de. Elle force pas au pied de biche. Parce qu'elle a un. Ah oui, c'est vrai, il y a des trucs d'explosifs. Oh la vache. Non, elle veut pas. Bon, bah, elle veut pas, elle veut pas. Attends. Ça, c'est la salle. Ah non, c'est pas. Je peux me barrer. Ok. J'ai de voir la torche parce que là, tu vas avoir besoin de tes deux mains pour escalader. Ah, je peux me barrer. Je pense qu'il faille faire ça.
Par contre, il faut que je rejoigne le mec. Ouais, le Minotaure, il est là. Il faut que je emprisonne le Minotaure pour rejoindre rapidement le gars qui est blessé. Moi, je suis prêt à la refaire une énième fois. Après tout, pourquoi pas? Oh, le passage là, on l'aura fait 4-5 fois. C'est bien, ils ont astucieusement pensé à recyclage de l'épreuve. Comment être obligé de passer 15 fois au même endroit? Et je vous avouerai qu'à force de le faire, j'y prends goût. Alors, je plaisante, mais avec les pauses repas, ça fait pas 11 heures. Oh, on verra, va. Mais quel abruti je fais. Oh, j'avais oublié qu'il y avait le. On verra, va, la durée totale, si ça fait 11 heures ou pas. Ah. Elle est là. C'est pas le plus chiant. L'épreuve la plus terrible, c'est la corde. Ah oui, c'est déjà pas triste de faire prisonnier le Minotaure. D'ailleurs, je progresse un peu trop à mes aises. Je vais déjà sauvegarder parce que si je me plante, ça va être triste. Il est où? Il est en bas? Mince, oula. Attends, c'est pas le. Ah oui, mince, j'ai pas. Faut d'abord réarmer le levier. Sans quoi le système de porte va pas fonctionner. Non, je peux pas me. Si, je peux me décaler visiblement. Oula. La boîte de collision est quand même grande. Ah. Et bah, du coup, c'est le l'usage inverse, donc il se passe rien. Mais il faut que le Minotaure revienne dans la pièce centrale. Donc, rebelote. Oh, reviens, monsieur Minotaure. Voilà. Voilà, là, si je le piège bien, hop, si je suis rapide, bingo! Il est dans la. Tour, la tour, la cour intérieure, et il va plus m'embêter quand je serai au sol à son niveau. Je vais pouvoir rejoindre rapidement le militaire. Voilà. Nickel. Eh bien, la paille, c'est une phase chiante. Alors je sauvegarde la corde. J'ai l'impression d'être entré dans une routine de speedrunner, croyez-le ou non, mais de faire à la si bien le. Voilà. Et il faut que j'appuie sur saut quand on est au bout. Oh yeah, joli. Je crois même que c'est la première fois que j'atterris aussi loin. Mince, j'ai loupé mon saut, j'aurais voulu faire un truc plus classe. Merde, la moto est pas là. J'ai oublié la moto dans le fait de passer le. Aïe, 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 aïe. Oui, mais du coup, je peux pas passer si j'ai pas la moto, je crois, non, si. Non! Quel idiot! Qu'est-ce que j'ai fait de la moto? Ah merde, il va revenir le. Attends, ça m'inquiète, elle est où? Elle est en haut? Ah! Attends. Qu'est-ce que j'ai fait de la mob? Parce que sans moto, je m'expose à être coincé, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh merde! Est-ce
que là, je peux pas. Merde, je l'ai suicidé, la pauvre. Attendez, mon plan, il est largement parfait, mon plan. Ça devient même inquiétant, d'ailleurs. Parce que si j'ai pas le sidecar, qu'est-ce que j'ai foutu? Et là, je crois que je peux déjà... Ouais, joli. Eh oui, attends, j'ai pas le... Je peux pas passer le ravin si j'ai pas le sidecar. Ouais, ça craint du boudin, mon histoire. Je pense pas que je puisse... Attends. Non, c'est casse-gueule à mort. Mais non, je peux pas. Merde! Tiens, je savais pas qu'il y avait une torche au fond du truc. C'est troublant. C'est troublant. Alors là, je suis dans la mouise, mais quelque chose de bien. Qu'est-ce que j'ai fait du sidecar? Je suis fou, moi. Hop là, ouais, quand les jambes bien en avant. Ah merde, la boulette. Alors attends, je suis là, mais... Je suis là, mais je suis pas là. Eh non, je peux pas... Aïe, 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 qu'ai-je fait? Attends, recule. Eh non, je peux pas. Oh là là, je suis dans la mouise. Bonjour, Twinsen, merci. Tous mes voeux à toi aussi. Hein, santé, bonheur, prospérité. Pour cette nouvelle année qui commence. Non, 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 sans le sidecar, je suis condamné. Merde! Là, j'ai fait une grosse bêtise. Est-ce qu'un saut périlleux arrière peut faire l'affaire? Non, je crois pas. Non, non, c'est pire. Ah, merde. Merdoum. Qu'est-ce que j'ai fait du... Ça y est, ça se trouve. Qu'est-ce que j'ai fait du sidecar? Parce qu'il faut que je retrouve le militaire. Attendez voir. Oui, mais je peux pas. Il est forcément là. Comment j'ai pu... Ah bah non, mais c'est vrai. C'est vrai que je suis sorti par le... Ouais. On va dire un interstice très particulier. Eh oui. Donc non, je suis condamné à revenir là, moi. Je suis condamné à revenir là-dedans. Pourquoi les portes sont pas ouvertes? C'est ça le gros mystère. Parce que le coup de la torche, c'est bien gentil, mais... Non, 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 je suis fait comme un rat. Ou alors il y a un truc que j'ai pas pigé avec le... Merde, oh, je le fais exprès, c'est pas possible. Avec le système, le dispositif en hauteur. Parce qu'on est d'accord, elle fait rien devant la porte là. Hein. J'ai dû m'acharner à essayer même de faire le pied de biche. Le fait de tirer dessus, peut-être le fin classique.
C'est pas comme ça qu'on ouvre les portes, tu m'étonnes. Parce que là, je vois pas. Le fait de... Non. Je saute et non plus. Attends. Je peux pas... pas autorisé à... Ah, attends voir. Oui, là je peux pas. Mais si, hop. Attends, elle devrait pourtant. C'est bizarre. C'est bizarre. Étrange. Et là, est-ce qu'il y a un truc que j'aurais mal vu? C'est quoi ça? C'est un... Non, c'est rien du tout. Il n'y a pas un levier suspendu que j'aurais pas vu? Bah merde alors. Je piche pas. Évidemment, je suis beaucoup trop loin pour atteindre le... Eh oui. Merdoum. On est d'accord qu'il n'y a pas un plafond... Ouais, faut bien garder... J'adore la natte de Lara. Faut bien regarder toutes les faces des cubes en fait. Souvenez-vous que je m'étais fait avoir par négligence où j'avais pas vu à un moment une surface escaladable et j'étais resté coincé un paquet d'heures dans un niveau. Quelle est la logique que voulaient nous faire respecter les devs? Les concepteurs. Est-ce que ce rebord a une utilité ou pas? J'ai pas l'impression. Ça, on est d'accord, elle en fait rien. Ça me ferait marrer de voir là manipuler un escabeau. Ou alors, mais je crois que j'avais déjà fait le test, les espèces de bitognons au plafond. Je me disais, c'est peut-être pas forcément des... Comment on appelle ça? Des trucs, des gyrophares retournés en système d'alerte, mais c'est peut-être des détecteurs de fumée. Donc si j'arrive avec la torche flambée en dessous, je vais peut-être déclencher un truc. Alors mon souci maintenant est de retrouver la torche parce que je l'ai jetée quelque part, mais alors pour la retrouver, vas-y. Qu'est-ce que j'ai fait de la torche? Attends, elle doit pas être loin. Mais je ne la vois plus. Ah, je l'ai peut-être connement jetée contre la porte. Non? Où est-ce qu'elle est la torche? Ne me dis pas qu'il y a un bug et qu'elle a disparu. Je l'ai pas dans l'inventaire, je l'avais jetée au sol. Elle le garde pas dans son inventaire, la torche. Attends, il y a un truc qui est pas logique. Il y a un truc qui est pas logique.
Bon, je vais recharger la partie parce que c'est trop frustrant. Là, je faisais quoi? Oui, j'étais là. Ça a servi à rien. Je remonte. Là, j'étais là. Ça servait à rien, malheureusement. Ah! Là, je m'apprêtais à descendre. Oui, donc, attends. Donc, je descends dans le truc. Je dois avoir une torche quelque part. Ah oui, il y a les mecs. Mais du coup, dans mon inventaire, en allant ici, je remonte trop en arrière ou pas? Non, ça va, j'ai le même matos. J'ai le même matos. Oui, là, il y a le coup de la torche. Bah, où est-ce que je la retrouve? Bah merde, alors, elle est bonne celle-là. À la base, où était-elle? Non, elle était pas en haut de ça, c'est pas possible, j'y crois pas. Elle est peut-être dans une salle à l'opposé. Était-elle là-dedans? Merde, il y a encore un mec. Oh, décidément. Mais... Oh, ils sont chiants. Ah oui, là-bas. Qu'à le dire, elle était mise en lumière. Donc, je prends la torche. Je vais l'allumer dans la chambre où il y a le réceptacle en feu. Non, c'est l'autre intersection. Et je pense qu'il faille titiller le dispositif anti-incendie. Sinon, ça n'a pas de sens. On entend le souffle de buffle de du Minotaure. Voilà. Alors, non, je suis pas. Ah. Je disais bien qu'il y avait une logique quelque part. Merci. Con, je fais des bêtises, je suis pas dans le bon sens, nimp. On continue l'aventure. Voilà. Là, elle peut aller plus haut. Ah oui, d'ailleurs, c'est même une si belle sortie que je peux. Je suis libre de mes mouvements, du coup. Voilà, c'est suffisamment haut. C'est la joie. Logique, Tomb Raider. Faut pas chercher midi à 14h quand même. Ah, alors attendez que je sauvegarde. Hein? Elle fouille comme dans les caisses militaires, comme dans Daylight. Ah, va falloir jouer du flingue. Non, pas le pompe, celui-là. Faisons le ménage dans les caisses. Oh, il y a un cadenas pété. Non? Non? Bizarre. On voit rien. Lumière, on voit rien.
Je vois le cadenas. Ah, ça aurait été dommage de louper ça. D'ailleurs. Ah! Ça en fait des choses. Non, là, il n'y a rien. Je peux pas y aller au pied de biche. Elle peut pas faire péter le... Non. Ah bon. Attends, on voit que c'est un... T'es certaine, Lara? Tu peux pas te le faire au flingue, le machin, là? Merci. Je me disais aussi... Alors, c'est quoi ça? Une clé? La clé du toit. La clé du toit. La clé du toit. Merde, je suis retombé comme un gros imbécile. J'ai mis le pied là où il fallait pas. Alors que je suis complètement interrogatif par rapport à cette histoire de clé de toit. La clé du toit. Ah bah, leve-la mon sac-car. Voilà pourquoi je l'avais pas retrouvé, tiens. Donc on va refaire le coup du Minotaure, puisqu'il faut que je rejoigne le militaire, là. Et que je lui donne les codes. La clé du toit. Merde, je suis dans le trou, mais qui est con. J'ai eu un moment d'absence, pardon. Ah merde, faut que je recommence la séquence. Oh, j'avais pas sauvegardé. Ah oui, donc la caisse. Non? Bah. T'es sérieuse? Merci. J'aime bien la manière dont Lara Croft ouvre les caisses. Elle les ouvre au flingue. Voilà. Oh. Mais non, mais... Je suis pas parvenu à toucher le... Mais t'es fou. Mais Lara Croft, merci. Burp. Oui, alors le 7K. Oh 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 oh, attends, j'ai cru voir un objet que j'ai pas ramassé. C'est moi ou j'ai vu une trousse de soins? Ah non, j'ai rêvé. Pardon. J'ai pris mes rêves pour réalité. Attends, je vais peut-être sauvegarder en étant posé parce que pour le jeu, garder la. La position du sidecar, c'est pas forcément top de le mettre dans le vide. Voilà. Ah, dur. Dur comme un dimanche matin. J'ai beau être matinal, j'ai mal.
Voilà pour la l'épreuve du Minotaure. Tiens, tant pis, attends. J'essaye de bien placer le. Voilà. Comme ça, je serai prêt. On va aller voir. Je veux absolument voir le militaire pour le coup des codes. Merde, c'est pas là, c'est. Ah, je me suis trompé, merde. Voilà, qu'est-ce que je fais? J'étais du bon côté de la mosquée, là, de la demeure. Alors, hop, voilà. Faut qu'elle fasse appui de ses pieds pour pouvoir passer d'une face à l'autre du cube. Sans quoi je m'étais retrouvé précédemment bloqué. Et je ne comprenais plus. Alors, le coup du levier. Et une fois que je l'aurai bien réamorcé, je sauvegarde. Voilà. On y prend goût, hein, cette épreuve. À force de la faire 15 fois. Alors, il va falloir que je l'attire à l'intérieur de la cour. Là, je peux sauvegarder. Tac. C'est bien, il est au bon endroit. Je me précipite sur le levier et hop. Oula, un peu mou. Oh, peut-être trop tard. Trop tard. C'est pas bon. Il est du mauvais côté. C'est ma faute, j'ai merdé. J'ai merdé, action suicide! Quelle horreur! Ah là là. Voilà, là c'est bon. Eh oui, j'étais trop rapide pour lui. Alors, à partir de ce moment-là, on va là-bas. Tac. Chiem, 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 ouais, de. Je sais pas pourquoi je chante ça. Sauvegarde. Here we go. D'ailleurs, c'est cool, mais je crois que j'ai même pas installé la nitro sur le. J'installerai la nitro une prochaine fois parce que là, c'est pas important.
Et c'est là que je vais retrouver le gars. Et normalement, je devrais lui passer les codes et il devrait se passer un truc. Normalement. Non? Non. Il se passe rien. Bah, j'ai ses codes. Non. Ah ouais. Non. 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 C'est pas ça qu'il fallait faire. Ah bah merde. Oula. Elle est cuite. Non, non, ça va pas cette histoire. Merde, c'était pas ça qu'il fallait faire. Ah, ça me surprend. Ce bug de collision. Oh mon dieu. Mais surtout ne monte pas Lara, hein. Mais toute ta mauvaise volonté. Aïe aïe aïe. Il se passe rien derrière le camion. Alors, clé du toit. Pourquoi? Pourquoi j'obtiens une clé de toit? À quoi ça correspond? Après tous ces épisodes. Du coup, je suis en train de revisionner tous les niveaux alentours dans la ville. La clé de toit, pourquoi? Pourquoi la clé de toit? Bonjour, Hirostar! Oui, tous mes voeux, merci, tout plein. Santé, bonheur, prospérité pour la nouvelle année. Merci, Hirostar, d'être là. Là, je suis dans les énigmes, Lara Croft, je suis en train de réfléchir. C'est bizarre. Du coup, il faut que je revienne en arrière. La partie que j'ai pu atteindre avec la nitro là et le sidecar. Alors attends. Oui, c'est là. Là, faut que j'arrive avec de l'élan et que je... Non, mais là, je l'ai plus l'élan. Je l'ai plus du tout. Attends. Ah, je suis dans le doute. Mais du coup, je sais plus ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait avec mes jeux de sauvegarde. C'est quand même gênant. C'est quand même gênant.
Non, c'est pas ça. C'est quoi la touche de... Je sais plus. Ah oui. Ouais, du coup, quand je suis là... Quel était l'intérêt d'être ici? Je sais plus. Je sais plus du tout. Mais j'espère que tout à chacun votre... Ah oui, il y avait un truc de fou. J'espère que tout à chacun votre réveillon du 31 s'est bien passé. Moi, je vous dis, je me suis éclaté hier en étant hors direct. J'avais déjà regardé un peu des villes olives qui faisaient du Dying Light. Non, c'est Dying Light, c'est moi. Du truc zombie, là, je sais plus. Pas The Last of Us, l'autre. The Walking Dead, voilà. Et après, je me suis isolé, je me suis fait du Dying Light de mon côté que j'ai enregistré, vous trouvez sur ma chaîne YouTube. J'ai pas fait donc les missions, évidemment, mais je me suis contenté de errer dans la ville. J'ai fait des découvertes, dont une grotte sous-marine, et bah, j'ai augmenté en expérience. Et je vous réexpliquerai la prochaine fois que je referai Dying Light en direct. J'ai trouvé mon premier pistolet 9 mm, ce qui stratégiquement est super important. Mais j'y reviendrai le moment venu. Yop, cousin, j'espère que tu vas bien. Tous mes vieux, je te t'inquiète pas, hein, je communiquerai avec toi en soirée, enfin un petit coucou en soirée que je te ferai. Et puis on se retrouvera dans la semaine comme d'hab. J'espère que tu vas bien, cousin. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cric? Tiens, tiens. Alors ça, pour une découverte, c'en est une. J'ai trouvé un cric. Oh là là, que des mystères! J'ai la clé du toit. Ah, ils disent carjack body, les Anglais. Combiné. Ah, carjack. Attendez voir. Que je sauvegarde. Oui, bah, je sauvegarde là. Là, cette voiture-là, il va me dire j'ai pas d'intérêt à la... Non. Ah, le camion, non? Oh la vache. Il y a de ces trucs. Ah oui, il y a cette partie extérieure aussi. Oh là là, que de mystère. Que de mystère. Là, si je vais au-delà, boum, parce que le terrain est miné. Ça n'a rien à voir avec le... Non. Non, ça n'a rien à voir. À quel moment le cric, ça pourrait l'aider? Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue, 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 bienvenue. Oui, merci tout plein aux nouveaux venus. J'ai pas fait attention, pardon. Parce que j'ai pas. Je suis complètement absorbé par l'aventure de Lara Croft. Mais merci, hein. Ça fait plaisir évidemment. Bienvenue, bienvenue, tous mes voeux. Santé, bonheur, prospérité. Pour cette nouvelle année.
Oui, bonjour Christella. Oui, toi aussi, tous mes voeux, bisous tout plein, merci. Oui, Wisebot te l'a pas notifié. Oh, ça arrive, tu sais. Peut y avoir des ratés. Est-ce que... Merde. Ah, la malheureuse s'est blessée. Oh non, je ferai rien de... Ah si, la clé du toit, ça doit être ici. Attends voir. C'est ici la clé du toit. Ça se tient. Attends. Je vais sauvegarder parce que je suis tellement nul dans les manips avec Lara que... Il y avait du bazar. Bah, voilà. Parce que si je fais un simple saut, ça va pas. Merde, presque. Oh, elle s'est cognée à un mauvais angle. Le pire, c'est que j'y arrive avant. Bon, ou alors faut faire comme ça. Voilà. Et là, j'ai pas fait usage de la clé. Enfin, tu me diras, elle est où la serrure? La clé du toit. La clé du toit. Ça doit être ça la clé du toit, non? Non? Comment qu'elle fait? Comment ça? Ah la maline! Ah la maline! Ah la vache! Oh là là! Fallait penser à ça! Oh, la pression qu'elle a mise sur le cadenas. Sacré la rave. Tiens, d'ailleurs, j'ai je sais pas quoi qui est apparu devant moi. J'ai le bug du cadenas en lévitation. Magie du démon. Intéressant. C'est ça, cousin, le coup du cric. Alors, le paratonnerre, là. Ah, intéressant. Tiens-nous au courant. Une Lara grillée, une. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Chiant les bestioles. Ah. Ah, il faut que je mette ça au niveau de la foudre. C'est bon, laisse tomber, j'ai compris. Enfin, je crois. Oui, mais quand je vais le mettre, elle va se faire foudroyer, c'est ça? Non? C'était pas loin.
Et là, il se passe un truc. Hein? Quoi? Bizarre. Pourquoi pas, mais tellement, tellement étrange. Aïe! Burp. Allez là, ouah, de l'escalade. Burp, burp, burp. C'est stylé ce qu'elle nous fait là-haut. Oui. Toup, toup, toup. Bon. Alors, où sommes-nous? Alors. Ah, c'est un nouveau niveau qui nous attend. Bonjour Dragon Sky. Et merci. À toi aussi. Tous mes voeux. Santé, bonheur, prospérité pour la nouvelle année. Eh bé. Dans quoi je suis tombé? Merci à toi d'être là en tout cas. Oh, il y en a des choses. Où sommes-nous? Ah bah ça tombe bien. Je venais d'en faire usage. Peut-être déblayer un peu ça, non? Pas comme ça. Et encore une astuce quelque part. Encore une astuce quelque part. Ah, faut que je fracasse les caisses avec quelque chose de bien lourd. Mais quoi? Oh. Oula, il s'est fait décapiter lui. Ah, il y a du monde. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est une cochonnerie du dieu Seth. Waouh. Que la bête pourrait charger le... Mais l'objet en lui-même, c'est quoi? Mind position d'état. Combiné. Ah. Non. D'accord. Je comprends mieux. Ok. Allez, ils ont sorti la vachette. Comment je peux faire pour qu'ils...
Non. Vous avez des projets Twitch ou autre cette année? Non, j'ai pas de projet en soi. Moi, je vais basculer tout à l'heure, avant de rendre mon antenne ce soir, je basculerai sur les nouveaux tableaux mystères. On passera des jeux PC aux jeux Mega Drive. Mais à part ça... Projet Twitch, non, pas vraiment. Je sais pas si toi, t'en as. Moi je suis ravi de la recette que j'applique, je la trouve bonne, on passe des bons moments ensemble, c'est cool, c'est l'essentiel. Non, la dernière expérience nouvelle sur Twitch qu'on a faite, FunFan et moi, c'était hier. On s'est fait un direct en commun sur du Gartic Phone. On a accepté d'ouvrir les vannes, c'est-à-dire de prendre des joueurs qu'on connaît pas en leur faisant confiance. Et à une exception près, et encore c'était pas gravissime, ça s'est très bien passé. On a bien rigolé. Ouais. Il faudrait idéalement que les caisses se fassent défoncer par El Toro. Parce que ça, à mon avis, il se passera rien. Enfin, je pense pas. Attends, vas-y voir que je sauvegarde en étant ici. Et cette clé de toit qui m'a pas encore servi. Pourquoi? Ça m'intrigue. Ah, cet angle de caméra. Ouais, on est d'accord, ça fait rien. Ouais, non, le bestiau, il s'en fout. La créature invoquée par Seth est immortelle. C'est une sacrée cochonnerie. Réfléchissons. Parce que si je me lance dans l'arène, évidemment la bête va me charger, forcément. C'est vrai qu'elle peut pas me rejoindre là, mais de toute façon. Olé! Et hop là! C'est ça. Merci du coup de corne. Ça fait un peu mal, mais c'est bien ce que je me disais. Ah! Oh merde, il y a un salopard. Merde, mais non, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Tu parles que c'est efficace contre le loustic, c'est ridicule. Ça explose de partout. Là, il y a un truc. Ah, le guest star. Ouais, le guest star. Moi, je m'en sers pas. C'est bugué, de toute façon. J'ai un bug avec Twitch et je sais pas pourquoi. Quand il me demande de m'identifier avec mon numéro de téléphone et le mot de passe, dès que j'ai fini de m'identifier avec succès, il me recharge automatiquement le... Je reviens au début, en fait. Il me remet automatiquement la phase d'identification, décliner votre numéro de téléphone. Si je recommence, il me dit votre numéro de téléphone est déjà utilisé. Donc, c'est débile. Ça, c'est un bug, j'espère qu'ils vont le corriger. Où est-ce que je suis là? Ah, je suis sorti du... D'accord. Oh la vache.
D'un Kodak. Ah, je suis du côté du mec. Attends. Mais oui. Je suis du côté du mec avec le serpent. Mais là, j'ai pas la moto, je peux pas... Ah, merde. Attends. Et là, je sais plus où est-ce que je vais. Ouais, tu m'étonnes que c'est trop haut. Attends, Lara, tu peux le faire. Ou pas. Oui. Non, là, elle pourra pas. Le mec, où est-ce qu'il est, le mec? C'était un cul-de-sac ici, je crois. Oh la vache, la longueur des niveaux, toi. Non, non, c'était un cul-de-sac. Il y avait les mecs qui s'étaient planqués, qui étaient en train de mourir comme des cacas là-bas. Et j'avais pas d'autre accès. C'est pas par là. Ah la vache! La complexité des niveaux. C'est bien, on avance, mais dur. Escalade du truc, d'où l'intérêt de la clé du toit, je crois. Et peut-être là qu'elle a lieu la l'interaction avec la dite clé du toit. Pardon Lara, excuse-moi, je t'ai pas mis en face. Pardon. Demi-tour, et puis ouais. Faut qu'elle se suspende, Miss Croft. Allez, Lara, tu peux le faire. Allez, là, aïe. Ah oui. Oui. Suspension. Burp. Ce serait ça la clé de toit, en fait. C'est
posséder donc ça. D'accord. Ah, il va être plus facile pour moi de me mouvoir. Comme je viens de me libérer un accès. Nakodak. Du coup, here we go. En face. Ouais, là, il n'y a rien à faire. Ah oui, c'est là où on tire dans le... dans le truc qui se met à fumer. Mais à quoi ça correspond, le truc? Grande question. Grande question. Attendez que je reprenne mes paires de jumelles. Pardon. Donc on avait tiré à l'arbalète là-dessus et ça s'est mis à fumer. Mais la question c'est à quoi ça correspond? À quoi ça correspond? Parce qu'à partir de là je peux plus rien faire d'autre. Donc c'est bien, j'avais fait le truc. Là où là c'est pas grave, on peut descendre. Ce serait quelque part par là-bas. Ouais, là c'est clair en rouge. Mais le fait d'avoir fait fumer le truc, en quoi ça m'arrange? Parce que là, le truc là, je peux pas le rejoindre. C'est pas escaladable, on est d'accord. Je vérifiais deux fois, mais... J'allais dans le baba. Ouais, il y a un truc que j'ai pas capté. Là, c'est un cul-de-sac, normalement, je crois. Je ne peux rien faire. Ouais, ouais, c'est cul-de-sac, cul-de-sac, il se passe rien du tout. Merde, il y a un truc qui m'échappe. Qu'est-ce que j'ai pas pigé? Ouais, ouais. Ce serait au-dessus de ça. Donc au-delà du bâtiment, bah ça correspond à là où... Mais il faudrait que je retrouve mon sidecar et que je me repropulse là-bas. Mais après, quel est l'intérêt? C'est ça qui m'en fout. Ouais. Hier soir, tu t'es mangé un avertissement de Nintendo concernant Pokémon Violet par rapport à ton étoile. Ma console a crash deux fois en direct, enfin en ligne. Du coup, ça me dit que j'étais non réglementaire sur le en ligne et je risque de ban. Ils ont une politique trop restrictive, Nintendo. Et ça, c'est pas nouveau. Ils ont les... Enfin, pas les dents longues, c'est pas l'expression consacrée. Mais Nintendo, ils sont très restrictifs, ils sont chiants, ils sont parano. Et si je te comprends bien, mon cher Dragon Sky, t'as été victime injustement d'un bug qui te ferait passer pour un pirate qui essaye de s'octroyer des... Pas forcément des droits, mais des succès, alors que tu les as obtenus de manière parfaitement légitime. Eh ben, mon pauvre Dragon Sky, je te plains.
Mais je porte pas spécialement dans mon cœur Nintendo, hein. De toute façon, c'est pas ma crèmerie. Moi, j'étais plus jeune, j'étais du côté de Sega. Aïe, aïe, aïe. Ma moto. Oh. Faudrait que je retrouve le soldat qui est blessé. Mais, comment je retrouve ma moto à partir d'ici, moi? Pouchou, pouchou, pou. La moto, la moto. Comment je fais pour aller là-haut, moi? Ouais. Ouais, c'est la première fois que ça t'arrive et que tu joues de manière totalement honnête. Oui, bah j'en doute pas de ta part, mais... Oui, bah c'est des trucs pas au point de la part de Nintendo. De toute façon, tu dois pas être le seul à qui c'est arrivé, ce genre de bug. Donc, il y en a qui ont dû taper du poing sur la table en secouant le cocotier à Nintendo. Mais après, je sais pas comment ils. Ah, il faut que je rejoigne le qui veut sauver le soldat Ryan là, c'est un peu ça. Mais mon moyen de locomotion n'est pas avec moi. Non, ça va, j'ai pas été ban IP ou l'identifiant de la console, mais juste un avertissement. Oui, mais c'est un avertissement que t'aurais pas dû avoir. Donc c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Et là, elle se suspend au balcon. Ouais, je peux pas changer de niveau. Je suis sorti de là. Oh, je veux bien retourner là-bas finalement, mais je crois que ça m'apportera rien. Mais comme ma mémoire est perfectible, je sais plus à quoi ça correspond. D'ailleurs, je crois que je peux directement aller. Oui, voilà. Alors attention où je mets les pieds parce que c'est accidentogène par ici. Ouais, non, il y avait la dépouille du mec, je crois. Ça, c'est les limbes ou pas? Non. Je peux encore marcher. Oui, c'est ce véhicule complètement explosé. Ah, c'est là où c'est les limbes, qu'il faut pas mettre les pieds, je crois. Là, c'est d'une profondeur extrême. C'est la mort. Mais c'est la mort qui t'a assassiné, Mathias. Et ouais, il y a la machine machin, mais c'est un cul-de-sac au bout, de toute façon. J'avais récolté les codes de. Pop.
La question, c'est l'explosif détonation. C'est où est-ce qu'il faut en faire usage? C'est là où j'avais le truc de la nitro, tiens, c'était dans ce moteur-là. Ouais, non, mais c'est un cul-de-sac ici. Je peux plus rien faire de plus. J'ai un cul-de-sac. Dida, dida, da. C'est un cul-de-sac. Ouais, non, mon truc ne sert à rien. Heureusement qu'elle tire pas, hein, la machine. Qu'elle me laisse en paix. Suicide! Ah! Ah, par contre, ban chez Nintendo, c'est définitif. Oui, un ban chez Nintendo, c'est définitif. Oui, bah. Tristesse, mon cher Dragon Sky, par rapport à Nintendo, mais bon. Dur. Je suis bien embêté, oh yeah, oh yeah. Yes, oui, bien embêté. Je ne sais plus quoi faire pour progresser. Tout cet enchaînement de niveaux dans lesquels je me suis fourvoyé. Oh yeah, oh yeah. Mince, c'est pas par là, oula. Message de FunFan 1992. S'il y a bien j'ai un constructeur, où c'est pas grave d'être banni, c'est chez Nintendo, il suffit d'acheter une ancienne console pour retrouver les licences jeux True. Ouais, non, pour le pauvre. Ah, ils sont très hargneux, on peut le dire, sur le fait de se faire copier, pirater. Nintendo, ça déconne zéro. Enfin bon, je vais pas vous faire l'historique de la société. De toute façon, moi-même, ça ne m'intéresse pas. Pardon, j'ai mon œil qui me démange. Mais étrangement, c'est pas le globe oculaire qui me démange, c'est la paupière. C'est bizarre. Bref. Je suis vraiment coincé. Là, pour le coup, je tourne en rond nerveusement en me disant merde, comment j'atteins l'autre niveau? Ah. Parce que là, on est d'accord, c'est le. C'est le coup de à distance, je t'active le machin, je te bousille de boîtier électronique, mais honnêtement, j'ai pas compris à quoi ça correspondait. C'est ça qui est embêtant. J'aimerais tellement être auprès du mec là qui est en train de survivre près du dragon serpent parce que c'est à lui que je vais ramener les codes et tout le dispositif. En termes politiques réglementaires, oui. Oui, c'est même The Pokémon Company qui a demandé à Nintendo de faire la chasse aux mauvais joueurs, comme le fait de, oui, de pirater, modifier sa sauvegarde, utiliser des données altérées, des logiciels non officiels, etc. Ouais. La Pokémon Company.
On est d'accord, y a pas d'autre chemin. Là, je peux pas faire un saut en disant que je vais... Non, là, je peux pas. Non, de toute façon, le truc, il est trop loin, je pourrais pas... Attends. Ah bah oui, non, c'est de là que je viens. Je peux pas faire un truc de genre là. Non, ça marche pas. Ouais, je veux revenir dans l'autre niveau. Mais quelle idée d'avoir mis des rampes. Oh. No. Oui, comme tu dis, no. Est-ce que si je suis en face... Non, normalement, les balcons, je peux pas... Ouais. Oh, te focalise pas sur ton incident avec Nintendo. Il t'arrivera de beaux trucs dans l'année, c'est obligé, j'ai envie de dire, statistiquement. Tu ne peux pas avoir que de la poisse. Zéba possible. Bon, je deviens fou, là. Je fais 1 milliard de sauvegardes. Ouais, non, je peux pas. C'est pas... On peut pas s'accrocher au balcon. Merde. Chiotum, crotum, merdum, bordelum. Ouais, ça correspond du coup. Oh là 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 là. Ouais, c'est des lumières. C'est des lumières au plafond, mais. Mais qu'est-ce que ça contrôle ce truc? C'est ça qui est fou. De toute façon, il n'y aurait pas d'intérêt à y aller puisque c'est un cul-de-sac le machin. C'est là où il y a les lumières rouges. Qu'est-ce que j'ai pas capté? Voilà, le boîtier il est là. On le sait qu'il est là le boîtier. Mais ça contrôle quoi? Quand même dingue. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le truc il fume et après... C'est quand même tiré par les cheveux leur truc. J'ai quoi en ma possession? Paramine, ça c'est pour la nitro. Ouais, code weapon. No. Mais non, tu m'étonnes que ce sera non. Détonateur mine. No. À quoi correspond cette action de faire flamber le... De faire flamber le boîtier électronique ici, juste au-dessus. Ça me rend fou. Ça me rend fou. À côté, en truc qui se présente, il y a ça, mais ça, j'en ferai rien. J'en ferai rien. Qu'est-ce que c'est que ce merdier?
Là, je peux plus y aller parce que j'ai pas la moto pour y aller à fond, mais tu me diras quel est l'intérêt. Oh, si je tente trop en rond, on va passer sur un autre jeu. Je sais pas, je vais m'improviser autre chose, mais... bizarre. Soit le mec qui est près du serpent dragon là, soit ma moto qui doit être près du Minotaure, je crois. Parce que je suis fait prisonnier, c'est un cauchemar mon truc. Là c'est un cul-de-sac le machin là. Allez, je tourne en rond. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis là, il y a pas de... Je vais pas aller sur les toits avec Lara, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Merde alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends pas l'intérêt d'avoir tiré sur le boîtier électronique. Qu'est-ce que ça m'importe? Je vois pas la progression du schmilblick. Ah, puis là où je suis craintif, c'est Christella qui m'avait dit elle avait trouvé moyen de se bloquer dans le jeu et de plus pouvoir faire l'aventure. Et là, je suis en train de me dire si j'ai pas malencontreusement trouvé une combinaison qui était pas prévue par les devs. Par les développeurs concepteurs du niveau et je me suis bloqué. Alors rassurez-vous, j'ai un sacré jeu de sauvegarde, mais quand même. Mais politique Zero Gaming 2023, au pire dit Dragon Sky, je me console dans le rétro gaming. En plus, ça va être difficile pour demain car reprise travail avec la tête dans les choux. Ouais, c'est un peu cruel d'avoir un jour de l'an un dimanche. C'est cruel. Effectivement. Merde. Je comprends pas le coup du boîtier. C'est quoi l'intérêt d'avoir tiré dessus? Qu'est-ce que j'ai modifié? Parce que là, je suis fait comme un rat. C'est une horreur. Je sens que je vais passer avec vous sur du Dying Light. Moi, je vais m'éclater. Au moins j'aurais un peu progressé. C'est mieux que rien. Allez, on va faire du Dying Light. Moi, ça me fait plaisir. Bah tiens, vous allez voir où est-ce que je me suis arrêté hier.